Salut Virgile, salut Truc Verte. Bonsoir à tous, le jeudi c'est jeudi indé. Et cette fois-ci on découvre Tunic, qui est un nouveau jeu qui est sorti hier, mercredi 16 mars 2022. Tunic c'est un jeu qui est disponible sur Xbox Series X, Xbox One, PC et Mac. C'est disponible gratuitement sur le Game Pass si vous avez le Game Pass. C'est disponible sur Steam aussi. Voilà. C'est un jeu d'aventure avec des petites énigmes, des petits mystères à découvrir. Et j'ai trop hâte parce que le jeu est très joli et j'espère que ça va vous plaire vous aussi. Vous allez voir, c'est trop trop chou. Nouvelle partie. C'est adorable. Je vais pouvoir augmenter un petit peu le son, parce que c'est bien ce que je pensais, dans les menus c'est toujours un peu plus fort. Voilà, genre... Comme ça, ça me semble bien. Et j'ai oublié de vous dire que ce live est un live sponsorisé. Donc, merci beaucoup d'avoir sponsorisé ce live aux développeurs de Tunic. Je crois que c'est à eux hein, que je dois remercier. Je pense, hein. Je pense. Ouais. C'est Pipou! Oui, c'est adorable. Mais d'ailleurs, je viens de voir qu'en fait, j'aurais dû taguer un développeur sur le tweet. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, pas besoin de mettre d'overlay. Tu sais, ça dépend des éditeurs. Ça dépend des éditeurs pour les... Hop. Je vais faire ça. Merci de sponsoriser le live. Tag-le en commentaire, c'est ce que je suis en train de faire, oui. C'est ce que je suis en train de faire, exactement. Hop. Voilà, donc si en fait il y avait le tweet compris dedans, je suis un peu emboulée. Regardez! Je suis un petit renard! Je suis adorable! La physique du renard est adorable parce qu'il bounce, vous avez vu? Bounce. Attendez, je ferme mes fenêtres. Voilà. Enfin, depuis, et je, franchement, je veux pas me porter la poisse, hein. Mais avec tous les alt-tab que je fais depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous dire, j'ai toujours pas ma cam qui a bugué, quoi. J'ai passé mes 2 ans de follow. Let's go, Cocoon Raccoon. Il est aussi jouable sur PC. Moi, j'y joue sur PC, là, hein, Paolo. Moi, j'y joue sur PC. Et je vous fais gagner une clé tout à l'heure. Je vérifie juste que la version Game Pass du jeu, elle fonctionne bien. Et je vous fais gagner ma clé Steam que j'étais censée valider. Voilà. Wow! I'm a fox, dude! C'est ça, c'est le stress test du camlink. Ben de ouf, j'arrête pas de faire des alt-tab et tout, tu sais, je suis en mode... Alors? Regardez, j'adore quand on rentre dans les hautes herbes comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Est-ce que tu peux zoomer? Alors là, je peux faire une espèce de mode du dessus avec deux bandes noires. Non, j'ai pas l'impression que je puisse zoomer, non. J'ai cru que c'était des pics meurtriers. Mais non, c'est des brins d'herbe tout doux, regardez. Vous voulez qu'on lui donne un nom? À ce renard? Vous pensez pas qu'on doit l'appeler juste renard? Je me rappelle de la dernière fois. De quoi? De Michel? Il y a du courrier? Je comprends pas votre langue, monsieur. Ah, quand on a cherché un nom sur Holy Holy World. Ouais, j'ai un bâton! Faut que je fasse LB. Je l'assigne à X. Non, je vais l'assigner à A, je pense.
Non, à B. Voilà. Je peux pas casser l'herbe. Et si on l'appelait genre cardamone? Pipou? Oui, c'est assez satisfaisant de regarder ce renard bouger, ouais. Oh, je peux faire une roulade. Ouais, ouais. Ah, j'ai de l'endu en bas à gauche, regardez. Foxy? Pipou? Le renard s'est armé d'un bâton, il est devenu incontrôlable. Incontrôlable! Basile. Oh, c'est sympa, Basile. Ah, je peux lock ma cible. Bim, 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 bim. You got this. Waouh! Regardez la tête de renard en pierre. Oula! Ah! Alerte, alerte! Je régène ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Ouais, Basile, c'est sympa. Venez, on l'appelle Basile. Basile, c'est le Brésil pour vendre des Velux. Je peux pas ouvrir la porte. Ouvre la porte! Basile, c'est le Brésil. Il danse la samba. Il va de ville en ville pour vendre des Velux. Basile, c'est le Brésil pour vendre des Velux. On va le faire avec chaque prénom. Open the door, please. FBI, open up. What? Ok, alors leur cercle, c'est la zone où ils peuvent me toucher, je pense. Commence à être low, hein. Faut que j'arrête de grid. Hein. Avec sa petite mèche, sa petite houppette, quoi. Basile, c'est le Brésil. Danse la samba. Oh! Ah, c'est un point de régène. J'ai récupéré de la vie, t'as ta réponse, Elisa. Oui, j'imagine. On comprend pas. On comprend pas. On comprend pas votre langue, monsieur. Mais c'est tellement beau, par contre. Regarde, je sais pas si vous voyez la qualité aussi bien que moi, mais... Oh! Je peux voir à peu près où sont les ennemis. Brésil, c'est le Brésil. Il danse la samba. J'ai l'impression que les brins d'herbe, ils sont en mousse, genre. C'est plus simple de comprendre le zarbi que de comprendre cette langue. Par contre, j'ai une clé, donc je pense que je peux l'amener là-bas. Ils ont régène les mobs. Leave me alone. Oh! Eh, c'est pas... Les monstres ont ripop, vous savez pourquoi? Moi je pense que les monstres ont ripop parce que j'ai passé le temps. Je pense qu'au-delà de ça, les monstres ripop pas. Je propose une variante. Basile, c'est l'Italie, il fait de bonnes pizzas. Il va de ville en ville pour vendre de la mozza. Basile, c'est l'Italie pour faire de la pizza. Basile, c'est l'Italie, il fait de la pizza. Il va de ville en ville pour vendre de la mozza. Basile, c'est l'Italie pour faire des focaccia. Oui, bon, j'imagine que je rentre. Hein. Si ça se trouve, il est en train de me demander de faire un pacte avec le diable, hein, j'en sais rien. Oh! Je sais pas, je vous jure que depuis le début du jeu, si ça se trouve, il insulte ma famille. Et moi, je dis ok. Alors que je pourrais dire non. J'en sais rien, quoi. On sait pas. On sait pas du tout. Le début de votre aventure. Alors, j'adore cette DA, là. Je trouve ça incroyable. On dirait
une feuille de guide de jeux vidéo, genre. Le début de votre aventure. Sonnez la cloche de l'Est. Forêt de l'Est, tombe du héros, capitaine de la garde. Sonnez la cloche de l'Ouest. Vieille maison, puits inondés, tombeau sombre. Donc il va me falloir une lampe. Jardin de l'Ouest. Dans un pays lointain, un grand trésor a été enfermé pour toujours. Certains disent que c'est le pouvoir de défier la mort. Est-ce que quelqu'un se souvient du nom du jeu auquel Ultia avait joué? Elle incarnait un vieux monsieur qui partait en randonnée après avoir reçu une lettre. C'était Old Man's Journey. Bouchon. Je crois que la rediff est dispo sur YouTube, il me semble. Pas sûr. Il est pipou le truc qui a l'air un peu vénère là. Ouais, de ouf. Il est là avec son immense arme, il est en mode « Je ne suis pas pipou. Je suis extrêmement badass. » Ok, donc là, ça c'est moi. Point de santé, point d'endurance, point de magie. Jusque là, on avait compris. Tout me fait plus mal quand je suis fatiguée. Et eux. Merci Punkimo pour le cinquième mois. Oh non, Basile est une là. Oh, j'ai mégenré Basile, je suis vraiment désolée. Comment on fait? C'est mixte comme prénom, Basile? Basile... Merci Punkimo pour le cinquième mois, merci beaucoup. Ce live est là au bon moment après une journée difficile, comme souvent en fait. Merci, merci à toi, merci pour le soutien. Super, t'as direct assume que c'était un mal. Mais arrêtez, c'est vous qui m'avez proposé les noms! Écoutez, c'est un prénom mixte, Basile. C'est tout. On l'appelle Baz même, dans le jargon. Me fait plus mal quand je suis fatiguée, la pauvre. Ça me fait de la peine. Pourquoi ce coffre est ouvert? Redonnez-moi ce qu'il y a dans ce coffre, s'il vous plaît. Là, qui est venu ici avant moi? Basile. C'est l'Italie. Ok. Elle est trop forte, Baz. Ouais, c'est ça, c'est son surnom. J'ai tout compris. Comme d'hab, quoi. J'ai tout capté. Le jeu est si beau. Quand, si j'avais été petite, j'aurais... Enfin, genre, tu... Tu vois, il y a, je pense, 15 ans, quoi. Tu me montres ce jeu. J'aurais été en transe. J'aurais été en mode, mais quoi, il est sublime. J'aurais été folle. Ouais. Oh, mais j'adore comment il court. Mais regardez l'animation quand il court. Bounce, bounce, bounce. 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 Quand elle court, pardon. Oui, c'est marrant qu'on comprenne pas la langue. C'est vrai que ça ajoute un mystère. C'est marrant. Bounce. Ah, c'est la fameuse caverne. Ah là, clocher de l'Est. Ah, je dois allumer un truc ici. Ok. Bim, je commence à maîtriser le truc. Voilà, il y a quoi maintenant? Ok, donc ma cible, mon bouclier, une popo de vie. Ah, il me conseille de mettre... Ok, donc ouais, mon... À poil! Merci à Garen, le seul gift à Neneu. Merci beaucoup. Donc, il me conseille de mettre... Oh, mais c'est vraiment un guide, regardez. Mais c'est tellement bien fait, j'adore. Ok, une popo de vie. Là, je ferme. Je peux faire une roulade avec A. Je peux tenir quelque chose. Oh, j'adore la physique de ce petit renard. C'est ça, c'est le manuel de la boîte du jeu, quoi. Il coûte combien? Est-ce qu'on peut faire point exclamation jeu, s'il vous plaît?
Je sais pas si le prix est dans la commande. Sinon, on peut le rajouter si vous voulez. Hein. Ça pourrait être un... Parce que je sais pas, en fait. J'ai reçu... Bah, moi, comme j'ai reçu une clé à vous offrir à vous, mais... J'ai le Game Pass, moi, donc j'ai pas payé la clé. 28 euros sur Steam. Voilà, et si vous avez le Game Pass, c'est dans le Game Pass. C'est Xbox. Xbox. Xbox, PC, Mac. Moi, je vais vous offrir la clé, je pense, hein, parce qu'en vrai, ça a l'air de tenir depuis tout à l'heure. Là, je peux régén. Ici. Quelqu'un a encore ouvert le coffre. Ouais, moi, j'adore le magazine qui te révèle les mécaniques du jeu. Mais le jeu est magnifique, regardez-moi ça, ces lumières. Regardez, quand le renard entre dans la lumière. Moi aussi, j'adore la DA. Je le trouve incroyable, le jeu. Ah ! Leave me alone ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une grenouille en origami ? Oui ? Ah. Peut-être qu'il faut que j'amène un seau. Il est trop bien, la DA du magazine. Moi, j'adore. La DA du magazine, là, j'adore. Je suis fan. Arrête ! Oh shit, bro. Arrête! Ça, c'est pas très raciste. This is harassment! Merci Lisa pour le 13e mois. Ok. Le magazine, il est. Je sais pas comment le refaire pop. Livret d'instructions. Voilà. J'adore. J'adore la DA du livret d'instruction. Je suis ultra fan. Salut Wally Jinx. Wally Jinx, dude. How you doing, bro? Je me régène. Bon, je vous fais gagner la clé. Hop. Et salut Classico Mig. Salut. Comment ça va? Alors, je vais vous faire gagner une clé pour ce jeu incroyable qui est unique, auquel je suis en train de jouer en ce moment même. Je vous invite, si vous le voulez bien... Alors déjà, je vous invite, si vous avez le Game Pass, je vous invite à ne pas participer au concours parce que, et de laisser votre chance et de laisser la chance aux autres parce que... hop. Hop. Point d'exclamation tunique dans le chat. T-U-N-I-C. Si vous avez le Game Pass, je vous invite à laisser la place aux autres. Et sinon, eh ben, c'est une clé Steam à valider sur Steam. Point d'exclamation tunique pour ce jeu adorable qui est tunique. Regardez-moi ça, petit jeu d'aventure énigme où on incarne un petit renard tout pipou. C'est juste incroyable. Je vous laisse participer un petit peu, je continue le jeu et je fais le tirage au sort. Il est tunique, ce jeu tunique. C'est ça, Mathéo. Bisous, je m'envole. Michel, c'est le Brésil. Arrête! Bim. Arrêtez! Ouah, c'est pas simple, hein? Ok. Est-ce que je peux me cacher dans le bush pour brain mes ennemis? Bim, j'ai vesqui son cou, y'a quoi? Oula, j'ai pas vesqui son cou! Je vous laisse encore une ou deux minutes hein, pour participer si vous le souhaitez. C'est trop bien ces points de save un peu partout. Par contre, c'est un peu risqué. Dans le sens où, bon, bah du coup, ça fait régène les ennemis. Donc, d'un côté, c'est cool parce que vous pouvez les farmer en boucle. C'est une clé Steam. C'est une clé Steam. Il est à combien d'ailleurs le jeu, s'il vous plaît. Hop. Salut petit pandana. Oui. Moi aussi j'adore la DA du jeu.
27,99. Ok, très bien. Merci pour l'info. Je vous laisse encore participer un petit peu. Forêt de l'Est. Arrête! Qu'est-ce que c'est? Ouah! Bah trop bien, j'ai une popo si je fais RB maintenant, ok. Oh là, il y a un méchant là-haut. J'adore! J'adore la DA du jeu, OMG! Je suis fan! Hop hop hop, poum 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 poum. Je crois que j'ai rien à faire d'autre ici. Hop. Bon, vous êtes 300 à avoir participé. Je vais faire le tirage au sort. Une dernière fois, point d'exclamation tunique avec un C. Si vous avez envie de participer au jeu concours, voilà, je vous fais gagner une clé Steam. Si vous avez le Game Pass, je vous invite à laisser votre chance aux autres. Parce que, bah, vous pouvez l'avoir sur le Game Pass. Et du coup, je vais faire le tirage au sort. C'est parti. Bim, roll it. Et c'est Lucci. Lucci qui gagne le giveaway. Lucci, est-ce que tu confirmes bien vouloir ta clé? GG à toi, Lucci. Mais what? Trop bien. What? C'est bon, tu veux bien ta clé? Clé Steam, hein. GG à toi, Lucci. Bravo. Bravo, bravo, bravissimo. Si, certo, si. Si. Bah écoutez, je vais envoyer la clé au modo et hop, j'envoie la clé au modo et les modos vont te l'envoyer. Bim, bam, boum. Poum, poum, poum. Tunique. Brief tunique. Et donc, elle est là, la clé. Voilà. J'envoie au modo. Et comme ça, il te l'envoie. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un modo, en fait, qui confirme pouvoir l'envoyer. À Lucci. I'm on it! Merci, Régilhomme. Merci beaucoup, c'est reparti. Bon là, on n'arrête pas de le solliciter, hein, le Camling, depuis tout à l'heure. On change de scène, on fait des altabs, écoutez. Là, il y a un chest, je peux pas l'atteindre. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est encore une page! Ça marche, Hello Dinosaur, des bisous. Verrouillage de la cible avec LT. Faites face à vos adversaires. Concentration et blocage, concentration et esquiver. Ah oui, avec A, ok, très bien. Concentration et blocage avec RT. Et comprendre les points d'endurance. Donc, moment de sécurité. Ok, donc j'ai une frame d'invincibilité quand il y a de la poussière. Quand il n'y a pas de poussière, j'ai rien. Ok. Stabilité ébranlée, projetée au sol. Vous pouvez toujours attaquer même sans endurance. Ok. J'aime trop ce petit livre. Tombe du héros. Salut Ramsey. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, moi aussi j'adore Siulu. Poste de garde. Je peux pas passer! Tu peux pas courir? Non, je peux faire des roulades. En tout cas, pas pour l'instant. Ah! What? Ah! 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 Ok. 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 Oula. Rip Baz. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi revenir.
Ok. Donc je suis au dernier point de sauvegarde. Oh, il y a mon fantôme là-haut. J'ai eu un succès. J'ai été... was resurrected. J'ai été ressuscité. Merci Kitkatouille. Ça, c'est pas très ratus. Merci beaucoup pour ce 7e mois d'abonnement. Merci. Oh, j'ai été ressuscité. Mais... je reprends ça. Ah, oh, je gagne des points parce que je suis revenue là où il y avait mon fantôme. Ok, ok, j'ai l'impression que c'est peut-être pas pour mon niveau tout de suite, ça. Félicitations, tu es morte. Oui, j'ai eu un succès parce que je suis dead, en fait. La meuf est dead, en fait. Chemin vers la tombe du héros. Ah ! What ? Ok. Donc ouais, quand il y a de la poussière, je suis invincible. Ouah. Comment il me met la misère. J'ai pris une popo. Bah là, c'est sûr, il me faut plus qu'un bâton. Mais j'avais justement la sensation d'aller vers l'épée. Il me semblait que je me dirigeais vers cette épée. On verra, hein. Me dites rien. Wouah. Bonjour. Alors, bah écoute, il est cool, tunique. Il est pas simple, hein, en vrai. Il y a un petit level. Ok. Oh. Alors, l'épée peut-être. Cette épée. Quid de l'épée. Mais... attends. Qui ici a dit que Séberia sortait à 18h, besoin de source? Bah, c'est quelqu'un qui a regardé la page Steam et en effet, c'est vrai. Donc c'est stressant comme situation, mais bon. Tant pis, on fera autre chose, hein. Clara, si c'est le cas, hein. Ils avaient qu'à nous prévenir. Hein. Mais... arrête! Ouah, c'est pas facile, hein. Ah bah ouais, ouais, carrément. Carrément, Ascali, s'il te plaît. Oh là là. Il y avait pas marqué épée? Ah, tombe du héros? Ah, ils disent bien que c'est à droite, hein. Trop bien, tunique, mais c'est étonnamment dur. Bah ouais, c'est clair. Bon, après, c'est pas... tombe du héros. Si, si, je suis en route, hein. Ouais, à ça, ouais. Ouais, c'est pas simple. Chemin vers la tombe du héros. Écoutez. Ça m'a l'air pas mal. Oh, la mandale qu'il m'a mis, lui. Je rêve. Ok. Mon corps. Nice. Ah si, regardez, je peux courir. Poum, 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 poum. Je transpire un peu, mais je cours. Merci pour ton live, je voulais me le prendre, mais j'avais lu que c'est un RPG qui tendait vers le Soul-like, donc ça me rebutait un peu, ça confirme ce que j'ai lu et ça m'évite ça. En vrai, pour l'instant, ça a l'air choupi. Après, on verra par la suite, hein. What? Ah! Ok. Ah! I'm dead, bro! What? Mais... ah ah, c'est dur. Ok.
J'avais lu un truc qui disait que c'était tout niveau et tout. Ok. Je m'attendais pas à ça. Il y a du challenge. Hein. Putain. Putain! Attendez, je recommence. C'est pour les amateurs slash ok. Oui, Visurus. So late. Ok. Surtout que les autres, là, ils m'ont bien chargé comme il faut. On va peut-être s'entraîner sur lui, là. D'abord. Ah ouais, mais... J'ai même pas le temps de faire la roulade, en fait. Ah, merci. L'Arby. OMG, merci beaucoup, l'Arby. 48 mois, mais si c'est pas fou, cette histoire. Merci beaucoup pour le soutien infini. Oh là là, mais attendez, mais même en faisant ma roulade, et son épée, elle a... Mais même quand je fais la roulade ! Ok. Vas-y, coupe. Coupe les arbres. Ah ! Oh là là ! Bon, je focus l'épée. Je vais voir si je m'en sors. Ouah. La claque. On peut régler la difficulté. Non. Ok, je recommence. Courgette, merci. Rip, fois, je sais déjà plus combien. 3. Je suis morte 3 fois. Waouh. Alors. Il a le tag Souls-like sur Steam, je me disais bien aussi. Ok. On va y arriver. Ouais, je viens juste de commencer, l'Arby. Il y a ça, tu vois, 20 minutes, un truc comme ça. Ok. Mais putain, mais il me vise de super loin. Ok. Ça, c'est bon. Ça veut dire que ça sera encore plus dur. Après, oui et non, parce que du coup, là, j'ai juste un bâton. Ok. J'en attire un à la fois. Voilà. Ah, il me voit même dans les bâches. Tiens, coupe là, s'il te plaît, mec. Là, là. Mais... Arrête! Ah! Coupe! Coupe! Là! Ok, encore? Faut que je l'amène ici. Oui, je regarde le state of play. À 22h avec Nao. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, excusez-moi. Hop.
Bah non, non, on verra Ascali du coup, hein. Ah, j'aimerais bien qu'il coupe. Ah non, je veux qu'il coupe là-bas en fait. Ça, c'est pas très gratuit. Merci Squarix pour le 7e mois, merci beaucoup. Aïe aïe aïe, c'est chaud. Ok, je reprends là, donc je vais devoir recommencer. Non, bah du coup, pour le live Siberia, malheureusement, vu qu'il sort à 18h, moi, je peux pas, hein. Faut que... Ouais. J'ai poncé la Switch, moi. À 20h, c'est pas possible. Et eu oh. Wow. Salut Miku. Ça c'est un jeu pour anti-star, ça c'est un jeu où on t'incarne un petit renard. Ok, donc là ça a été coupé ici, donc ça reste comme ça, c'est pas mal. On répondra demain à Scali en vrai, hein. Le lock aide à esquiver, ok. Oui, en effet. Hop, je passe par là. Oh non. Ah si, j'ai cru que je pouvais pas passer. Ok. Let's go! Oh, elle est trop belle cette statue, franchement. Ici, j'ai le héros. Le héros! Hop! Elle me fait de la peine, cette statue. Oui, elle est super triste. Hop! Look at this! J'ai une épée maintenant! Ouais, regardez, on dirait de la mousse, les arbres. J'ai l'attaque coupe. Oh mais ils sont tout fluffy les arbres, j'adore. Look at my grosse épée. Oh, j'aime trop. J'ai envie de tout couper. Ça fait boing boing en plus quand je coupe. Oh j'adore. Ok. Alors du coup maintenant je vais pouvoir prendre ma revanche. Déjà ici je vais pouvoir couper. J'ai des bombes. Let's go. J'ai trop envie d'en mettre une ici pour voir ce que ça fait. Genre je la mets sur Y. Et j'en mets une là. J'ai l'impression qu'il y a un truc à casser. Mais quoi? Alors... Ok, il n'y avait rien à casser, et en plus de ça, it escalated quickly de ouf! Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ça a été... Ok. Genre là, je peux faire ça? Ah!
C'était pas vous que je visais. Enfin, c'était pas eux que je visais, c'était eux. Bim! Bam! Ok. Je vois rien là pour l'instant. Salut Kamboui. Poum poum poum. Trop satisfaisant. J'ai de la dynamite. Oh ! Ah ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Ah mais ça met pas pause ! Mayday, mayday ! What ? Ok. Ah ouais, d'accord. Bon. Je m'attendais pas à ça. On va reprendre. Ah oui, oui, il y a un petit niveau sur le jeu à avoir, hein, je vous avoue. Oh, tu me saoules ! Mais il y a un truc caché ici. Oh, il y avait un truc caché. Ça, c'est pas très ratus. Ah, c'est du mana. Merci Ease pour le cinquième mois. Merci beaucoup. Enfin, je pense. Que faire quand tu fuis un adversaire et tombes nez à nez avec d'autres, lancer une bombe et croiser les doigts? J'ai paniqué! J'ai paniqué, désolé! Alors, on s'occupe d'eux d'abord. Yes! Mais y a rien ici en fait. Ah, je récupère mon fantôme. Ok. Boum 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 boum. Elles sont où les araignées? Ah ah. Ok. C'est trop dangereux. Oh, elle est toute mimi en vrai. Tu grimpes pas, hein? J'ai envie de la tuer en fait parce que je me dis que. Il y a forcément des collectibles. Qu'est-ce qu'il y a ici? Corée de l'Est. Qu'est-ce que c'est? Une fraise! Pour l'interweb, ils le décrivent comme un jeu entre Zelda et Dark Souls. Je m'attendais pas à cette difficulté. Bon, après, je m'étais pas renseignée. Ah, moi non plus, je m'y attendais pas, mais après, c'est assez satisfaisant, j'avoue. Mais moi non plus, je m'y attendais pas. Ok, là, c'est ma map. Donc là-haut, là, faudra que j'y aille. Là, j'y suis déjà allée. Ok, là-bas, faudra que j'y aille aussi. Il y a un coffre. Dac, dac. Salut, Tevet. La DA est trop belle, oui. 100%. Ah, c'est un raccourci. Vous avez vu où je suis? Faut la tuer, ouais. Sinon, on aura plein de toiles au plafond et c'est chiant. Sauf qu'avec cette super pince télescopique éclairée, rien n'est hors d'atteinte.
Faut que je retourne là. On voit pas grand chose, hein, Germaine. J'ai un petit flow, hein, quand même, qu'on se le dise. Est-ce qu'elle est encore en bas? Oups. Oh non. Congelé ? Je m'attendais pas à ça. Dommage. Leave me alone, please. Pou 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 pou. Je veux prendre ma revanche. Ah mais elles vont toutes réapparaître. Ok, ok. Okay, wrong neighborhood. Alors, on avait vu que maintenant on pouvait passer par là. Très bien. Tout va bien. Ici, je sais pas comment on fait pour y aller, on ira plus tard. Salut Nevel, oui, le jeu est très beau. Il est plutôt dur aussi. Mais il a deux ping, lui. Épouse-toi, pauvre naze. Putain, j'ai plus d'explosifs. Mais il me voit pas, il est aveugle. Ah lui, il m'a vu. Ouais, il m'a mis une mandale. La déforestation. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Marinouska pour le seb, merci beaucoup. Hop, je peux ouvrir la fenêtre, enfin la porte, pardon. Ok, je redescends. Le jeu est terminé, Greenskin. Oh, mais j'adore ça. Le corps de Mozo, comme il est tout fluffy. Elle a du courage, cette renarde. Bah oui, elle est courageuse de ouf, vous avez raison. Poste de garde. Ok. Hop. D'accord. J'ai récolté un truc. On dirait que peut-être faut l'assembler, peut-être. Ouh là là. Ouh là là. Peut-être pas tout de suite. Peut-être après. Je voulais pas faire ça. Ah. Ok. Merci Maeshi pour le raid. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Que faisiez-vous de beau? Vous étiez sur Tunic, il me semble, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le petit renard. La petite renarde. On a appris que c'était une là. Hein. C'est trop bien. C'est dur, non? J'adore, mais c'est beaucoup plus costaud que ce que je pensais.
La petite renard. Nous, on l'a appelée Basile. Avant de savoir que c'était une la. Je dirais que, que son niveau de difficulté est le même que Breath of the Wild. Au début, tu te fais tabasser. Après, tu t'améliores. Ouais, je comprends. Je comprends. Basile avec un E. What? Ok, -1, -1. Non! Now you're dead. Je suis agréablement surprise par le gameplay. Je m'attendais à un truc plus basique, mais en fait, il y a du challenge. Mais de ouf! De ouf, il y a du challenge. Je suis déjà morte 5 ou 6 fois, je pense. Je l'ai first try! Et où est ma gueule? J'ai une popo. On lui a même écrit une chanson. 1, 2. Basile, c'est l'Italie. Elle nous fait des pizzas. Elle va de ville en ville pour vendre de la mozza. Basile, c'est l'Italie. Pour faire des bruschetta. Je crois que c'est ça qu'on a dit. Oh, Nikki! 38e mois d'abonnement niveau 2. Oh là là, Nikki. Let's go. Merci beaucoup pour le soutien infini. Fiu. Donc nous aussi on découvre Tunic. Ceci est un live sponsorisé pour information. Et sachez aussi que j'attends ce jeu depuis un petit moment et que je m'attendais pas du tout à ce gameplay. Mais pareil que Maeshi, c'est plutôt chouette finalement d'avoir un peu de challenge. En plus là au final le boss, bah je l'ai first try, donc vous voyez comme quoi. Et je suis si low level. Et aucun renard n'a été maltraité durant cette sponso. Sonner, frapper. Y'a quelqu'un? Ça brille! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas très ratus. Merci Calcifior pour le 21e mois. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Madame la renarde, dites-nous quelque chose. Ah, mais j'ai activé le clocher, c'est ça que j'ai fait. Regardez. Au livret d'instructions, que j'adore, je sais pas ce que t'en penses, Maeshi, je sais pas si t'es encore là. Je suis ultra fan de ce livret d'instructions, regardez. Il y a marqué, il me semble que c'était là. Ah non, c'est pas là alors. Ah si, voilà. Sonner la cloche de l'Est. Je pense qu'on en a... Ouais. Je pense que ça, c'est un des trucs. En fait, j'ai pas envie de prendre une popo parce que la vérité, c'est que je suis une grosse radine. J'ai l'impression que mon épée est plus forte. La vérité, c'est que je suis une grosse radine et je me dis, il y a un point de heal pas loin, genre. Genre là. Ça fait vraiment référence au... Ah, voilà, vous voyez? Voilà, Ratus un jour, Ratus toujours. Je reviens tout de suite. Je fais une petite pause pipi. J'arrive.
C'est pas très ratus. C'est quoi cette nouvelle émote Rivenzy Dance? Elle est si kitsch. Retour au jeu. Vous voyez, toujours pas de freeze. Mais avons-nous trouvé la solution en fait? Bon là j'ai fait un détour qui m'arrange pas des masses du coup en retombant par là. Donc j'aimerais retourner là où j'étais tout à l'heure. Après, franchement, j'ai peur de me réjouir. Il faudrait voir sur des jeux plus gourmands. Mais en quoi ce jeu est moins gourmand que Far Changing Tide? Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, c'est vrai, il faudrait quand même faire le test, quoi. J'ai l'impression que mon épée est plus forte depuis que j'ai... changer de mode de vie. Depuis que j'ai fait ce que j'ai fait là. Avec l'épée et le clocher. Bonjour! Il m'a même pas vu! Je peux pas le laisser comme ça. Ah ouais, c'est de mieux en mieux en fait, hein. Dis donc, au début on était un peu ric-rac avec notre... avec notre bâton, et au final, là, on one-shot des mobs. C'est vrai que je crois que je suis plus forte depuis que j'ai sonné le clocher, hein. Est-ce que j'ai bien tout? Ouais, le crash test Lost in Random. Donc là, moi, je pense que c'est activé. Ou alors, tu comprends mieux comment les combats fonctionnent. Ouais, au choix. Donc ça, je pense que c'est activé. Que tout va bien. Comme ça a été dit, c'est plus une progression type BOTW que Dark Souls, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air, ça a l'air. Alors, est-ce qu'il y a un autre chemin que j'ai oublié? On dirait aussi... là. Moins bien au petit avec la texture et la physique des objets. Peut-être, peut-être, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Le rat est comblé. Oh! Mais non! Wingobert! Merci pour le raid! Oh là là, merci beaucoup! Regardez, on est en train de jouer à un jeu tout pipou! C'est pas avec un ours. C'est avec un renard. Sorry. Ça s'appelle Tunique. Bon, je débunk, c'est un live sponsorisé, mais j'attends le jeu avec impatience. Depuis un moment. Et du coup, c'est une petite renarde, voilà, qu'on a appelée Basile. Et on joue à Tunique, qui est un jeu voilà, d'action-aventure. Vous avez des combats, franchement... c'est des sacrés combats, hein, pour tout vous dire. Vous allez voir, si vous restez, que c'est des combats assez costauds. Et Basile avec un E. Hein. C'est des combats assez costauds. Et du coup, regardez comme c'est beau déjà. Vous trouvez pas ça magnifique? Donc merci beaucoup, bienvenue tout le monde.
Pour ceux qui me connaissent pas, merci pour les follow. Et pour ceux qui me connaissent pas, sachez que... Merci à Dear Foxy pour le 6e mois. Sachez que je fais beaucoup de jeux Nintendo. Et beaucoup de jeux indépendants aussi. Voilà. Et donc là, en fait, ce créneau-là, là, le jeudi soir, c'est un créneau récurrent sur ma chaîne qui s'appelle le jeudi indé, où on fait beaucoup de jeux indépendants. Et en fait, on fait que des jeux indépendants. Souvent, c'est des jeux qui se finissent en une ou deux sessions de live maximum. Voilà, c'est pas tout le temps le cas. Et on a découvert énormément de jeux indés ensemble, et on fait beaucoup de tests de jeux indés ensemble. Voilà, bienvenue. Vous, j'imagine que vous vous entraînez pour la Zilane. Regardez! Je me fais bolos. Regardez comme c'est dingue. En fait, dans le jeu, il y a un guide à l'ancienne, un guide papier de jeux vidéo. Regardez, le style est fou. J'adore, c'est si rétro et vintage. Je suis ultra fan. Et en fait, là, hop, ça te met tous les contrôles, etc. La physique du petit renard, le verrouillage. C'est vraiment la notice, exactement. Et en fait, là, je viens de débloquer une nouvelle page. Et en fait, c'est une page super intéressante parce que c'est la map. Vers la forêt de l'Est. Ok, donc là, je vois où je suis. Il y a le renard sur la map. Sonner la cloche de l'Ouest. Donc maintenant que j'ai sonné la cloche de l'Est, qui est l'une de mes premières tâches, je dois sonner la cloche de l'Ouest. D'abord la vieille maison, ensuite le puits inondé, ensuite le tombeau sombre, ensuite le jardin de l'Ouest. Donc regardez, la map est là. Donc maintenant, je dois aller à la vieille maison en premier, qui est indiquée sur la map. Mais vraiment, j'adore la map là, je la trouve incroyable. Je suis ultra fan. Donc faut que j'aille à gauche quoi. J'aime trop. Et j'ai ça sous le puits. Ah oui, je vais pouvoir aller sous le puits. On l'a vu tout à l'heure, le puits. Good, just look at the sausage, at those sausages. Salut, Stream Pipou. C'est Stream Pipou ce soir. Mais pas si pipou que ça, hein. Vous verrez que Basile est... Elle est forte, hein. Ok, ça c'est sous le puits. Un type de mucus visqueux qui veut être proche de vous. Ah. Il veut protéger quelque chose, mais quoi? Tourner autour et utiliser le bouclier. Autobolt. Bon, c'est vrai que Basile meurt beaucoup. Regardez comme c'est beau. Regardez comme le jeu est magnifique. Regardez la physique du renard. De la renarde. Oh oui. Poum 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 poum. Ça c'est mes checkpoints en gros. Look at this bouncy fox, dude. S'il te plaît, dessine-moi une renarde. Kezako. Je suis morte comme ça? Ou je vais juste voir le fantôme de mon renard? Pourquoi je suis sous forme de fantôme? Maman renarde? Il y a maman renarde qui m'attend normalement. Je vais dans le monde des âmes. Dans le Styx. Ouh la vache, et la moto, elle y va à fond la caisse là, hein, pour qu'on l'entende. Je pense qu'on peut... Oh, c'est les deux cloches. C'est trop beau. C'est magnifique. Salut le crime, il n'y a aucun problème. Coucou, bienvenue. Est-ce que maman renarde m'attend à l'autre bout du chemin?
Maman Renarde. Oh, Maman Renarde! Maman Renarde! On va la sauver, je vous le jure. Je vous jure qu'on va la sauver. Tiens, d'ailleurs, vu que les couleurs sont un peu bleues, vertes, etc., je veux bien changer les couleurs du stream également. Ça me fait dead, en fait. Vous pouvez pas dire ça. Bon, allez, on va à la vieille maison. Comme ça, on sauve Maman Renarde. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Maman Renarde est dead. Il faut faire quelque chose. Ah, elle est là, la cloche. Regardez. En bas. Un manteau. Tu parles de Maman Renarde, là, quand tu dis un manteau, c'est ça? Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un ami? Ouah! Par contre, excusez-moi. Il est incroyable. Vous trouvez pas qu'il est incroyable? Non mais regardez-moi ce... Non mais attendez, excusez-moi, il est sublime, non? Il est trop stylé. Il est vraiment trop stylé, j'adore. Ça, en vrai, ça me donne tellement d'inspi pour des scènes, de live. C'est vraiment trop stylé. Je suis ultra fan. Je dois choisir de la popo ou des explosifs. En vrai, je pense que je vais prendre les explosifs. Merci. Vous avez vu, il a baissé la tête. Au revoir, à bientôt. C'est exactement les mêmes couleurs que ta DA. Oui, j'adore. Le prochain waiting screen d'Halloween, mais je suis ultra fan de ça. Hein. Merci la tête pour le 4e mois. Merci beaucoup. Bon inspi tatouage. Ah ouais, là, on va pouvoir puiser de ce jeu pour plein de trucs. Nice. Des bisous, Luciole. Merci d'être resté. Ouais, c'est ça, c'est le marchand. Exactement. Bon, j'ai un peu compris quand il a montré les objets. Là, je me suis dit, bon, c'est sûr, c'est le marchand. Oh, mais ça va mieux. Oh là là, en vrai, pour tout vous dire, j'ai eu peur au début. FBI, open up! FBI, open up, please! Open up now! J'ai eu peur au début parce que... Bah, je le trouvais dur et je me suis dit, mais attends, je m'attendais pas à ça. Et en fait, vous avez raison, il y a quand même de la progression. Attends, non, je veux pas parler au puits, je veux faire une roulade. Ok. Encore un fragment. Oui, c'est toujours bien, un peu de difficulté, t'as raison. Ok. Tout.
Ah, il y a les marches. Je me suis fait avoir. Bim, bim, bim. Oh! Ils me disent... J'ai un succès qui s'appelle Perfectly Executed. C'est parti, mais en gros, un combo. Genre, combo parfait, en gros, il y avait marqué. Ok. Une nouvelle page à mon livre. Donc ça, c'est ma stamina. Ok, donc quand j'ai la stamina qui clignote... Aucune sécurité, faible stabilité et je me fais plus blesser. Ça me fait trop de la peine pour elle. Tout me fait un peu... Tout me fait plus mal quand je suis fatiguée. Non mais regardez, elle est trop mignonne. J'ai envie d'en faire un mème de cette petite renarde qui pointe sa stamina en disant « Tout me fait plus mal quand je suis fatiguée. » Elle est trop chou. Oh, j'adore, et la map. Et regardez, je me déplace du coup. La vieille maison est juste là. Genre la petite renarde se déplace sur la carte, mais j'adore. C'est super chiadé en fait. Oh là là, trésors et outils. Mais je trouve que le graphisme de ce bouquin est trop trop chouette. On dit que si vous lancez suffisamment de bombes, vous obtiendrez un prix. N'ayez pas peur de les utiliser. La renarde, c'est moi aujourd'hui. Ciment rouge, lierre, effigie, leurre, pièce d'or, bombe. Ok, bombe qui gèle, bombe qui fait du feu, bombe tout court. Bombe explosif, objet magique. Oh là là, j'aime trop. Salut Johanna, et ben écoute, on incarne cette petite renarde que nous on a baptisée Basile. On incarne cette renarde et c'est un jeu d'aventure. Alors j'ai l'impression qu'il y a... qu'on a une espèce de divinité renarde qui est piégée quelque part et qu'il faut la libérer. Ouais. Donc faut que j'aille à la... Mais regardez, on voit la télé cathodique derrière. La vieille maison, elle est là. À droite de l'échelle. Salut Massa. Ah, mais c'est ça la vieille maison. Ouais, c'est ça. Ok, il faut trouver la clé. Oui, c'est très beau. C'est vraiment très très beau. Vous imaginez pas à quel point je suis rassurée que le live bug pas. Franchement, j'étais tellement soucieuse. Donc vous voyez comme quoi, ça avait l'air bien de venir de là. Hein. Je sais pas. Bon, en tout cas pour l'instant quoi. Oui, le menu est trop satisfaisant. La map, j'adore. Surprise, motherfucker! Oh non, je m'attendais pas à ça! Oh. Oups, ips. Ça, c'est pas très ratus. On est allé dans le moulin? Merci Mina! Oui, on est allé dans le moulin, c'est là, il y avait la boutique. Merci Mina pour le 7e mois, j'avoue, il est trop mignon ce jeu, je suis fan! Poup, poup, poup. Ok. Ah. Ah. Non, non. Ok, c'est bon. All good. This is fine. This is totally fine. Les grenouilles, elles m'attaquent de loin. Ok. Hop, hop, hop. Bim.
Oh là, Miyoshi, merci pour les 1 an. Merci beaucoup. Oh, mais lui, il est vénère. Je suis en sécurité ici. Ah, let's go la shakshuka, Gloria. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, une fleur. Ok. Bon, faut pas que j'hésite à m'en servir parce que je commence à en avoir pas mal. Il l'avait eu en japonais, il ne comprenait pas le livret, d'où l'inspi pour cette langue mystérieuse. Alors, apparemment, le développeur s'est inspiré du premier Zelda qu'il avait reçu, mais il l'avait eu en japonais et il ne comprenait pas le livret, d'où l'inspi pour cette langue mystérieuse. Ah, d'accord. Ah, c'est trop bien, ok. C'est super intéressant, merci beaucoup pour l'info. Le lore. Hey! Hop! T'en es rendu où, toi, Maeshi? Ouah, il a un shield, lui! Elle est épuisée, elle est épuisée! Ok, c'est bon. Oups! Oups, hip! Il part en courant? Y'a pas d'eau ici? Bim, il a pas eu le temps. On est un peu plus loin dans l'aventure. D'accord. J'adore les animations, tout ça. C'est si joli. Oh, y a un guerrier en bas. Ah, wow, les escaliers. Je m'émerveille devant ce jeu. Bon, j'ai un raccourci. Oh non, il m'a entendu. Hop. La roulade est de plus en plus maîtrisée. Non mais regardez, j'adore cette tête de renard en statue là. C'est pas très qui est tombée dans la rivière. Merci Sid pour le Prime. Et regardez, en plus, on voit ici, c'était ça, la statue. Merci beaucoup. Ou Siad, merci. Merci, merci. Bon, par contre, le maître renard, là. J'y ai vraiment cru. Bisous Maeshi, merci encore pour le raid. Merci beaucoup. Hop. Allez, on reprend. On est où, là? Tout à l'heure, j'étais... Ok, on n'est pas du bon côté. Faut que je remonte. Ça, c'est pas très ratus. J'aime trop les maps sinueuses comme ça, avec plein de recoins. Oh, Khalidji! Mais quoi? Mais merci beaucoup, merci infiniment. Mais il va me suivre jusqu'où, lui?
Merci Kalidji pour les 10 sub-gifts. Merci beaucoup pour le soutien et merci Rafushia pour le sub. J'aime trop les maps sinueuses comme ça avec plein de recoins et de détours. Ça me rappelle Link's Awakening. Oui, oui, moi j'aime beaucoup aussi. Oh là là, mais merci mille fois. Merci beaucoup à tous les deux, c'est incroyable. Je viens de fermer mon jeu sans faire exprès. Oups, voilà. Merci beaucoup. Papapapapam. Hop. Bon allez, je reprends. Ça va bien se passer. Promis. Bon, je spam un peu trop en fait. C'est ça qui fait que je prends des dégâts bêtement parfois. Ça, c'est pas très ratus. Merci Ereito pour le Prime. Merci beaucoup. Ok. Non, je me suis quand même pris une mandale. Ah. Bim. Oh, il est là, mon fantôme. Mais quoi ? Understood the margin of page 17. La page 17 ? On dit que si vous lancez suffisamment de bombes, vous obtiendrez un prix. Ça, c'est pas très ratus. J'ai eu un succès, c'était vous avez compris le succès, vous avez compris ce qu'il y a marqué sur la page 17. Dizios, merci pour le 19e mois, merci beaucoup. Bon. OK. On reprend. Trop fort. Ouais, je kiffe. C'est quand même satisfaisant que ça soit dur, je trouve. Hop là. Voilà. Là, il y a lui. Hop, surprise. Ok, l'autre, il va grimper. Bam. C'est pas très ratus. J'esquive. Wouah. Merci Random Fucking Cat pour le 4e mois. Oh, je le déteste, lui. Les mobs qui touchent à distance, comme ça. Je prends une popo. Merci beaucoup, Random Fucking Cat. Je viens de finir le jeu Death Door, quel plaisir. Apparemment, il est super. Désolé, monsieur. J'ai la clé. Merci, Metalian Mask, pour le 5e mois. Merci beaucoup. L'occasion est unique pour resub. Eh oui. Bon, écoutez, j'ai utilisé mes bombes. On m'a dit qu'il fallait que je me serve de mes bombes. Ok. C'est beau. C'est si beau. Il y a une petite fleur, là. Donc, je pense qu'il faut que j'aille au niveau de la maison, maintenant que j'ai la clé. Sors, il y a la clé, sors. Basile, c'est l'Italie. Elle danse la samba. Elle fait de la pizza. Elle va de ville en ville pour vendre de la mozza. Basile, c'est l'Italie pour faire de la focaccia. Qu'est-ce que j'ai eu là? Voilà, Basile. Je crois que... C'est un effigie.
L'effigie, c'est pas comme un leurre. On va tester. Sinon, il y a des fruits. Les fruits, je pense que c'est comme des popos, en fait. Ah, il me faut le bouclier pour faire ça. Il y a marqué ça dans le guide. Il y a marqué dans le guide qu'il faut le bouclier. Oh, putain. Ok, je remonte. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce train de la hype. Incroyable. Il lui en faut peu pour être émerveillé. Ben ouais, moi je marche beaucoup à l'univers du jeu, à l'ambiance, aux musiques, à la direction artistique, au visuel, etc. Donc j'avoue que c'est le genre de truc qui... Je suis souvent très émerveillée par des jeux comme ça, ouais.